À ce niveau, du coup, il y a un petit exercice bien simple que nous avons proposé, non? En ce qui concerne les listes qui viennent faire Noël, puisque dernièrement, nous avons parlé de listes et nous avons dit listes imbriquées. Et nous avons dit nous avons deux types de listes. Il y a une liste ordonnée et une liste non ordonnée en HTML. À cet effet, nous avons proposé un petit exercice ça. Ça, c'est un petit exercice que un petit menu restaurant qui est réalisé vite fait sur HTML, rien qu'HTML. Ok? Que je vais proposer pour nous, que je vais proposer pour nous réaliser nous-mêmes pour nous. Et après, nous avons pour nous faire correction ensemble. Alors là, nous avons remarqué un heading. Il y a en tête côté que m'écrit menu restaurant en bas de là. Ensuite, il y a un HR de bas nous pour là, une trace. OK, ensuite moi gagne dans menu restaurant là, me dit bien déjeuner, dîner, souper. OK, un déjeuner et dans déjeuner petit, me dit bien soupe jambon, spaghetti, bananes etc. Ensuite, les moi vient dans petit D, dans pâté codé. Moi spécifier me dit me gagne pâté codé à rançon ou bien poule et puis me dit me gagne banane à foie et puis me dit foie 10 ou bien foie mort. Là pour marquer là moi gagne un petit cercle et tandis que là me gagne mon petit boulette qui plus ou moins semble en carré, ressemble en carré. Donc dans foie 10 bien remarquer c'est un petit cercle que me gagne. Ça veut dire me souhaiter que nous même dans réalisation nous va gagner pour nous mettre moi. Nous gagnons un petit sec, même j'avais. Ensuite, nous avons toujours liste ordonnée. Un, je me dis arroser. Et puis, nous avons arrosé, je me dis que nous avons ce soir. Et puis, nous avons soupé. Nous avons grand A, grand B, grand C. Et puis, mes numéros qui s'accladent. Donc, nous avons remarqué que nous avons variante. Là, nous avons petit A, A minuscule, B minuscule. Tandis que là, j'ai A majuscule, B majuscule, C majuscule. Ok, ensuite, j'ai ça de couleur rouge. Donc, bien observer cet exercice ça. Et puis, on a qui mesure nous capables de réaliser. Et comme je dis, nous, l'IA c'est simple, c'est vrai. Ça me propose pour nous faire, nous pas forcément ouais tout. Mais avec ces documents de Dinois, m'a parlé de MDN, non? Eh bien, si nous allons là-dedans, MDN, ok? Eh bien, nous avons une pile d'informations, ok, concernant chaque salaire, si toutefois nous avons besoin de réaliser. Donc, MDN, non, il est là pour ça, ok? MDN, non, c'est MDN WebDoc. Ok, c'est là, c'est developer.mozilla.org. Une fois que nous allons nous taper liste en HTML, nous avons une petite documentation qui parle de différents types de listes. UL. Ok, ça c'est liste non ordonnée. Ok, nous cherchons. Et MDN n'a pas seul document qui existait, mais nous avons plusieurs autres types de documents qui existaient. Et puis, si nous allons là-dedans, on a pour comment pour nous capables d'essayer de réaliser ça. Parce que nous disons, développement web, ce n'est pas par cœur pour le besoin qu'on ait tout bas les yeux. Puisque il y a Google qui l'a pour ça. Une fois qu'on a un mot-clé ou besoin, là, on a fait affaire à des listes. Et même taper liste en HTML sur Google, eh bien, libre en moins. Qui ça les sur et qui différents types de listes qui gagne et puis comment pour réaliser. OK, donc voilà, ça nous gagne pour nous réaliser pour moi. OK, un petit menu restaurant et puis ça probablement m'a mettre sur un fichier et Word comme ça nous capable gagner une semaine et puis pour nous réaliser et puis ensuite prochainement n'a gagne pour nous et corriger ensemble. Donc, c'était une bonne chance dans la réalisation de cet exercice.